Bonsoir à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Skyrim. Désolé d'être en retard. Il y a eu différents trucs. Pas forcément bien expliqué. Bref, me voilà maintenant. Avec exactement une heure de retard. Je vous garantirai pas que je finis à 23h, mais. Si, je vais peut-être faire jusqu'à 23h. Mais 23h30, pas sûr. On va voir. Parce que déjà, là, vu que j'ai fini la guerre civile, il va falloir que je trouve des quêtes, assez intéressantes. Je sais qu'il y a des quêtes de Kaer Gomez. Que je peux explorer des donjons aussi, tout bêtement. Ouais, tout ça, quoi. Oh non, j'ai un chat qui est resté coincé ici. Attendez. Je m'en pose et je reviens. Attends, Mia, attends, j'arrive. Bon, et eh bien me revoilà. Du coup, c'est bon, on va partir sur de bonnes bases. Tac tac. Oui, Fallion, c'est pour ne plus être un vampire, mais moi j'ai pas envie. Hein. Fou la merde de la nuit, faut déjà la lumière. Ça, c'est un peu de la merde. Si, parce que j'ai pas fini avec cette quête là. Le plus de chiens jubes. Si je peux faire ça. Par contre, tuer par Turnax. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Il faut que je vienne de quoi noter en même temps. Proventus! Yoho! Mais il est fini la guerre. Oui. Mon bug est résolu, mon bug est résolu.
pas à revenir me voir si vous souhaitez acheter quelques décorations. Enfin, et surtout, alors, que m'auriez-vous acheté? Un nouvel cuisine. Très bien, voilà que vos achats seront installés chez vous lorsque vous y rendrez. Voulez-vous acheter autre chose? Profitez bien de votre séjour, maintenant. Très bien, très bien. Par contre, ouais, ce qui est dommage, c'est que dans le jeu, il n'y a rien qui se met à jour alors que j'ai fini la guerre civile, j'ai fini l'enfant dragon. Du coup, a récemment été assassiné par le fils sombrage. Ouais, non. Non, parce que récemment, c'était il y a. Il y a combien d'heures de jeu? Quinze jours écoulés, sachant que un jour c'est 24 minutes. Heureux que mon ordi il me saoule, il se remet en français là. Enfin, la date de français, c'est un faire chier. Alors. 5-9-5. 5-9. Fois 24. Non. Bon, ça fait 24 heures de jeu, quoi, en vrai, en fait. Non, il y a un bug. C'est pas ça. C'est impossible. C'est impossible, parce que j'ai fait beaucoup plus d'heures de live que ça. En tout, vous avez fait tous mes lives, ça fait plus que 24 heures, hein, parce qu'il y a des lives de 4 heures, de 5 heures. Y a un problème dans mon calcul, hein. Je suis pas forcément le meilleur en maths non plus. Je suis plus fort en prédiction, moi. Alors, retournez voir Esbern, vas-y, on peut faire ça. Hein. Ah, c'est vrai! Lui, il stocke ce que je mets dedans. J'avais mis ça dedans l'autre jour. Bon, on va aller voir Esbern. Oh oui, Alvin est mort. Oh, il s'est passé des choses, hein. Maintenant, notre mission est claire. Je suis
jusqu'au reste des lames. Je vous aime longtemps, mes dragons. Ensemble, nous allons éliminer ces dragons, même si pour les massacrer jusqu'au dernier. La faction qui dirige le domaine a démarré. Ils ont failli détruire l'Empire pendant la Grande Guerre, il y a de longtemps. Les humains ne connaissent pas de pire ennemi dans la guerre. L'Empire a failli succomber lors de la dernière guerre. Et le Talmor n'a pas l'intention de faire. Non mais c'est bon, il est mort hein. T'es con. Mais il est parti où lui? Ok, vous me faites chier, je suis parti en axe. Il faut que j'aille sur la terrasse. Mais elle est pas là, là. D'ailleurs, c'est quoi cette pièce en fait? Il y a vraiment des tonneaux et tout ça, un peu chiant. Bon, on va à la gorge du monde et on va parler avec Parthenax. La gorge du monde.
Mais ça, c'est ma faute au devising. Fous. Ce mot signifie force dans votre langue. Mais plus vous poussez le monde, plus le monde résiste. Songez à la manière dont la force peut être exercée sans effort. Imaginez un simple mur balayant tout sur son chemin. Voilà ce qu'est Fous. Imprégnez-vous de son sens. Sous Marc Mora, vous pousserez le monde plus fort qu'il ne vous pousse. Les larmes ont raison de se méfier de moi. Onika ni Or, je ne ferai moi-même confiance à un autre Doba. Voilà un farewell. Nous sommes nés pour dominer. La soif de puissance est dans notre sang. La sens-tu, toi aussi? Ah bah oui, évidemment. Je suis digne de confiance, mais il n'en croit rien. Onigami Ordova. Il est toujours prudent de se méfier d'un Dova. J'ai surmonté ma nature par la méditation et en étudiant longuement la foi. Pas un jour ne passe sans que je sois tenté de laisser ma véritable nature reprendre le dessus. Zinkrif Olmut Sessulek. Vaut-il mieux être bon de nature ou surmonter sa nature maléfique à force d'effort. Ok. Sous Arcmora. Et là, si je retourne voir Esbern. Parce que moi, je le fais pas sans quête, hein. Genre là, ils sont tous dehors.
rien à nous dire tant que par son assistant. Ok, connard. Ouais, ils vont me faire chier, hein, parce que du coup, je vais leur faire Arthur Max, qu'ils vont plus me voir parler tant que je les fais pas. Hein. Arthur Max, Eric. C'est comme ça qu'on dit bonjour en dragon normalement. Là, je préfère la surmonter, moi. Vraiment, ils me font chier, parce que j'ai pas envie de le tuer, en fait. Oh, je vais plutôt faire ça, là. Bon, on va se renseigner dans le bar. Dans l'auberge, pardon. Vous ne ressemblez pas à un bel homme. Pourquoi s'en doutez à des idées de forme? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dénonce. Je n'aime pas votre regard. Il dégage quelque chose de mauvais. Ah non, je suis désolée. Vous devez vous méprendre. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Je suis désolée, mais je ne crois pas de ne pas vous parler. Ne dites pas à Sylvie où je me trouve. Il me tuerait. Sylvie me raconte tous les mensonges à mon sujet. Écoutez-moi jusqu'au bout. Sylvie et moi étions mariés. Nous pensions être heureux ensemble. Un beau jour, j'ai trouvé ce mot du poème de Zvana. Lorsque j'en ai parlé à Sylvie, il a menacé de me tuer. J'en ai alors parlé à Sylvie et mon frère. Il est allé en discuter avec Sylvie à ma place et... Il a tué. Mon frère n'était même pas armé. Maintenant que vous m'avez retrouvé, vous allez vous empresser de lui dire où je suis. Alors, elle, je la crois pas. Je la crois pas. Du tout. Soit disant, on lui monte un poème, il menace de la tuer, non. Bah,
Enfin, déjà là, il y a un truc qui est pas logique parce que. Parce que voilà quoi, elle a reçu un poème. Enfin, le gars, il avait reçu un poème, il en avait rien à foutre, mais elle, elle a vu le poème. Et elle a commencé à le faire chier, bah alors après, bah lui, voilà. Hein. Quelle belle journée, Mila. Si une fille écrit un poème à un mec et que le mec il y répond pas, pourquoi elle a emmerdé le mec? Voilà. Bon bah du coup, je vais lui dire où qu'elle est, hein. On va voir ce fini. C'est de la fourrure qui sort de vos oreilles. Hey, bah relève-toi, mec. Si vous vous amusez à crocheter les serrures dans le coin, on va pas s'entendre. Hey, hey, hey! Il est quelle heure en fait dans le jeu là? Ah, mais c'est pour ça! Attendez. Hello! Hé! Vous revenez m'aider à résoudre des points? Qu'est-ce que vous faites là? Une musique de courtoisie? Oh, parfait! Dites-moi simplement où est-ce que vous.
laissez-moi vous répondre. Cette clé ouvre l'un des corps de secret situés au sous-sol du tunnel. Prenez-y tout ce que vous voulez. Laissez-moi voir quand vous voulez. Moi, cette gada, c'est fini. Alors là, honnêtement, je sais pas quoi faire, mais j'ai une idée. Alors je vais partir de là et tout ce que j'ai pas exploré, je vais y aller, mais je vais aller dans le truc à chaque fois. Genre là, voilà, il y a deux grottes. Pourquoi mon Philippe? Ben voilà, j'ai plus qu'à relancer le live, hein.